Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre Seta Manoukian, peintre et religieuse bouddhiste installée en Californie. Son œuvre interroge la condition humaine. Née à Beyrouth en 1945, Seta Manoukian est découverte par Paul Geragosian. Elle a 13 ans. Elle est lauréate d'un concours organisé par l'ambassade d'Italie au Liban. À ce titre, elle bénéficie à 17 ans d'une bourse pour étudier à l'Académie Pietro Vannucci à Pérouse. La jeune femme parfait son cursus à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Une seconde bourse la conduit à Londres. De retour à Beyrouth, Seta Manoukian enseigne à l'Université libanaise, de 1975 à 1985. La guerre civile éclate. L'enseignante forme bénévolement à la peinture et au dessin des enfants de zones sinistrées. Leurs travaux sont publiés dans deux livres, « La guerre à travers les yeux des enfants libanais » et « Taches rouges et bleues ». En parallèle, l'artiste expose dans le monde. Attirée par l'hindouisme, elle voyage au Sri Lanka à la rencontre de la philosophie bouddhiste. Après son ordination en 2005, elle vit au Sri Lanka puis en Inde. À l'occasion d'une visite à Los Angeles en 2007, Seta Manoukian rencontre un bouddhiste tibétain avec lequel elle étudie. Elle reprend la peinture en 2016, alliant l'art à la prière. Seta Manoukian vit actuellement en Californie. En 2010, un documentaire « Mother Sela » a été produit sur l'artiste. Seta Manoukian, Painting in Levitation, est la monographie que lui consacrent les éditions CAF en 2018. 5 de pique vous présente une œuvre sans titre. L'huile sur toile a été réalisée par Seta Manoukian en 1970. Il fait partie de la série sur la période blanche. Le tableau appartient à la collection d'Émile Hanouche. Cette huile est consécutive au séjour en Italie de l'artiste. De retour au Liban, elle signe cette séquence. Elle pratique déjà la méditation, prenant de la distance avec la situation délétère du pays. Faisant écho à son recueillement, le jeu de vide et plein sert le blanc, principale composante de l'œuvre. Le dialogue du clair et de la lumière se confond dans la structure. Le rythme est incarné par le tourbillon central d'éléments volontairement cadrés. La pelote en mouvement est parfaitement étudiée sur l'espace. Elle est sculptée par les contours noirs, rehaussée par les bordures grises et soutenue par les lignes bleues. La forme fait le vide par intervalles dans un espace resserré, incarné par la figure qui s'étale sur la toile. Déconstruire le réel offre une liberté d'interprétation. La simplicité presque latente rapproche les éléments. Il découle de la forme principale comme l'empreinte estompée du volume fondamental. Ce parti pris rend l'œuvre cohérente et unitaire. La peinture en mouvement de Seta Manoukian valorise les notions de détachement vers une bienheureuse introspection. Retrouvez sur YouTube tous les épisodes de 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et Télé Liban consacrée à l'art et à son terrain d'exploration infinie.